On raconte toutes sortes d'histoires étranges sur cette jungle, mais aucune d'elles n'est aussi étrange que celle du petit nommé Mowgli. Vivre en meute, un de ces jours, tu te feras des bourses. Qui est le plus fort? Encore, Mowgli, oh non! Je suis chez vous, le premier arrivé! C'était le même chemin en l'air. Les loups ne se cachent pas dans les arbres. Je peux pas aller aussi vite qu'eux, j'ai essayé. J'ai pris le mauvais arbre, c'est tout. C'était un arbre mort. Comment pouvais-je savoir qu'il était mort? Il était entouré de racines de figuier. Tous les arbres ornés de lianes sont déjà morts, ou en sursis. Ce sont des choses qu'un loup doit savoir. Oui, mais si la branche n'avait pas cédé, j'aurais pu réussir. Je sais qu'à ta naissance, tu n'étais pas un loup, mais tu pourrais faire un effort. Ce n'était qu'un bébé abandonné dans les bois. Attrapez-le dedans. Pour assurer sa survie, je savais qu'il lui fallait un peuple, un clan pour le protéger. C'est pourquoi je l'ai confié au loup. Regardez bien, frère loup. Akela était un chef noble et juste. Il accepta d'accueillir Mowgli durant toutes ces années. L'ennui, c'est que les loups grandissent vite. Et Mowgli, lui, eh bien, donc il aimait prendre son temps. Mowgli, fais-moi voler, c'est mon tour. Arrêtez pas maintenant. C'est Raksha qui l'éleva. C'est la seule mère qui l'ait connue. Allez, viens jouer. Je suis pas d'humeur. Tu es mon frère, tu es obligé de jouer avec moi. Viens, on va chasser les souris. Comment ça s'est passé? Il m'a rattrapé. Si cela doit arriver, cela arrivera. Récitons la loi. Voici la loi de la jungle. Aussi vieille que le ciel, aussi affaire. Le loup qui la respecte devient prospère. Mais le loup qui l'enfreint devient poussière. Comme la liane sur l'arbre qu'elle enlace, la loi partout passe et repasse. Car la force de la meute est dans le loup. Et la force du loup est dans la meute. S'insinua au cœur de la jungle, il la fit virer au jaune, puis au brun, et enfin au noir. Cette année-là, vit la saison la plus sèche que l'on ait vécue. Les Mowa n'ont même pas fleuri. Ma feuille. C'est à moi, à moi. Et ça, c'est quoi? Un roc? Ah non, de l'amour, c'est de l'amour. Là, voilà un roc. Ça, c'est ma pierre, mon roc. Pas toujours mon roc. Le roc de la paix. C'est la trêve de l'eau. C'est la trêve de l'eau. Cela faisait de longues années que le roc de la paix n'était pas apparu. Et que la trêve de l'eau n'avait pas été déclarée. Hey.
chasser au bord de l'eau était maintenant interdit. Car selon la loi de la jungle, boire est au monde, côte à côte. N'oublie pas, interdit de chasser. On est là pour jouer. Pour jouer, d'accord, ami. Et souviens-toi, certains n'ont jamais vu de petit homme dans la jungle. Alors sois bien sage. D'accord, d'accord, je peux y aller. Emmène les petits. Attendez-moi. Viens, frère Tri. Oh, regarde-le, celui-là. Désolé. Il marche sur deux pattes. Mais regarde-le, un sanglier. Il y a un rhinocéros. Une langouste. Tout le monde est là. C'est ça, au pont. Oh, une bradille. C'est ma bradille. Non, je ne me sens pas. C'est ma bradille. Je ne sens pas ma bradille. Je ne sens pas la langue de l'eau. C'est ma faute. Je ne l'ai pas fait exprès. Je veux faire pitié. Faites attention, merci. Papa, qu'est-ce que c'est? Un petit homme, je crois. Qu'est-ce qu'un petit homme vient faire ici? Oh, c'est la trêve, oh. Papa. Je connais la loi, messieurs. Que dit la loi sur ce genre d'astuces? Ce n'est pas la manière de... Les astuces. Reprends-toi, petit. Nous finirons par faire de toi un bon loup. Et moi? Et moi? Je serai un bon loup? Je sais hurler? Dans certaines meutes, on mange le plus petit. Tu le vois bien. Mon visage ne te rappelle-t-il pas ce dont tu es capable? Un homme adulte. Je change de terrain de chasse pendant quelques années et tout le monde oublie ce que dit la loi. Je vais vous rafraîchir la mémoire. Un petit homme deviendra un homme. Et ici, l'homme n'a pas sa place. Et que sais-tu de la loi? Raksha. Tu chasses pour le plaisir, tu tues pour le pouvoir, tu ne connais aucune loi. Ce petit, c'est le mien. Le mien, à mes yeux, alors retourne d'où tu viens, vieille bête blessée. Le tigre sait qui règne sur cette partie de la jungle. Je doute qu'il soit venu pour proférer des menaces. Encore moins durant la trêve de l'eau. Non, je suis profondément respectueux de ces lois qui assurent votre survie. Voici ma promesse. Rien ne dure éternellement. La pluie reviendra, le niveau de la rivière s'élèvera, le roc de la paix disparaîtra, et ce sera la fin de la traite de l'eau. Vous souhaitez le protéger? Parfait. Mais posez-vous la question.
Pour ce petit homme, combien de vies êtes-vous prêt à sacrifier? Combien de vies? Qui pouvait répondre à cette question? Une délibération tumultueuse dura plusieurs jours. Personne ne s'était jamais opposé au clan jusqu'à présent. Mais la menace de Shere Khan ne pouvait être ignorée. Je peux peut-être vous aider. Le petit a raison. Il est temps pour lui de trouver un autre peuple. Non. C'est moi qui l'ai conduit jusqu'à vous. C'est à moi de le ramener parmi les siens. Je ne le permettrai pas. C'est mon petit. Nous savions que ce jour viendrait. Nous sommes la seule famille qu'il ait jamais connue. Aksha. Il n'y a que là-bas qu'il sera en sécurité. Ce n'est rien, Anne. Je serai pas loin de vous. Je reviendrai vous rendre visite. N'oublie jamais ceci. Tu es mien. Le mien à mes yeux. Qu'importe où tu iras, comment ils t'appelleront, tu seras toujours mon fils, toujours. J'aimerais pouvoir vous dire que les loups ont réussi à vaincre Shere Khan. Mais l'histoire est bien différente. Ou les rhinocéros, ils me laissent souvent jouer avec eux. Mais les rhinocéros dorment debout. Je suis pas sûre d'être très douée pour ça. C'est soit les tortues, soit les crocodiles. Qu'est-ce que tu me conseilles? Aucun des deux. Qu'est-ce que tu veux dire? Je t'accompagne au village des hommes. Quoi? Mais je ne sais pas comment vivent les hommes. Tu apprendras. Tu as toujours dit qu'il fallait éviter de s'approcher du village des hommes. Là, c'est différent. Mais pourquoi c'est différent? Tu as toujours dit que pour éviter les pièges, il fallait éviter le village des hommes, que l'on pouvait être mangé ou blessé par des jets de pierre. Je sais ce que j'ai dit. Wow! Des éléphants! Incline-toi. Pourquoi? En signe de respect. Ce sont les éléphants qui ont créé la jungle. Où leur défense creusait les sillons, les rivières coulaient. Leurs trompes soufflaient, les feuilles tombaient. Ils sont à l'origine de tout ce qui existe ici. Les montagnes, les arbres, les oiseaux dans les arbres. Et toi, ils ne t'ont pas créé.
C'est pourquoi tu dois partir. Avec les antilopes? Non. Avec les mangoustes? Il n'y a pas à discuter. Mais c'est ici, ma maison. Je sais même pas à quoi ressemble un homme. Tu apprendras. Moi, je veux rester dans la jungle. Pourquoi tu veux m'emmener là-bas? Parce que tu n'es plus en sécurité dans la jungle. Tu es pourchassé par un tigre. Seul l'homme peut te protéger désormais. Oh. Mais c'est pas juste. Tu me laisses même pas le choix. Je sens bien que tu me dis pas tout. Tu crois que j'ai pas remarqué? Tu dis que tu me ramènes là où tu m'as trouvé, mais tu m'as trouvé dans la jungle. Est-ce que tu me ramènes dans la jungle? Non. Pourquoi me ramènes-tu au village des hommes si tu m'as trouvé dans la jungle? Et pourquoi le tigre me déteste-t-il autant? Est-ce qu'il me connaît? Eh ben non, il me connaît pas. Laisse-toi. Quoi? Tu vas pas me demander de me mettre à plat ventre devant le buffle? Écoute-moi, ce n'est pas le moment de plaisanter. Tu vas courir jusqu'au ravin. Comment ça? De quoi tu parles? Va vers le nord, où le ciel brille la nuit. Je te retrouverai en chemin. Pas question, Bagheera. Je n'irai nulle part tant que tu m'auras pas... Savoir pourquoi je suis venu. Le petit homme a quitté la jungle. Je pensais avoir été clair, c'est à moi que tu devais le remettre. Il n'est plus sous notre protection. Il a décidé de quitter le clan. Et puis-je savoir où il est allé? Le petit homme a donc quitté la jungle. Parfaitement. Toi et moi n'avons plus d'objet de conflit. Et mieux encore, nous avons la paix.
alors il n'y a plus rien à attendre. À moins que je ne parvienne à le faire revenir. Angela ! Ai-je toute votre attention à présent ? Je ne voulais pas en arriver là. J'avais fait en sorte que les choses soient simples. Je n'avais qu'une seule exigence, et vous l'avez refusée ! Eh bien, tout cela va changer. Qu'on se le dise. Tant que je n'aurai pas le petit homme, ces collines seront mes collines. Puisque vous êtes incapable d'entendre raison, vous allez vivre dans la peur. Bagheera ? Salut toi. Est-ce que tu sais parler? Je te trouve mignon en tout cas. T'en veux un peu? Viens. Approche, approche, ne crains rien. N'aie pas peur.
embêter personne. Tu n'embêtes personne. Serais-tu seule ici? Oh, ce n'est pas bien. Il ne faut jamais être seule. Un de mes amis doit arriver. Il ne devrait plus tarder. Je peux rester avec toi le temps qu'il arrive. Si tu es d'accord. C'est la panthère qui t'a trouvé. Redevable. Attends-moi. Je vais payer ta dette. Quoi?
Alors voilà notre position. Tu vois cette chose dorée qui pend là-haut? Ça s'appelle du miel. Tout ce que tu devras attraper, cette chose qui fait un drôle de bruit, et revenir avec. Tu plaisantes, j'espère. Non, pas vraiment. Non, c'est trop dangereux. Tu pourrais me tuer. Petit, attends, essaie de comprendre. Je suis un ours brun. Ça signifie que je dois manger mon foie en nourriture chaque jour afin de pouvoir hiberner. Je sais que je t'en demande beaucoup, mais je ne sais pas grimper. Et toi, tu en es capable? Écoute, l'hiver arrive et j'ai vraiment besoin de ton aide. Tu ne voudrais pas que je m'endorme et que je ne me réveille pas? Mon camarade, il n'y a pas d'urgence.
commence, mon beau. Bagheera dit que je dois me rendre au village des hommes. Ah, Bagheera. Oh, je connais bien Bagheera. Il a un problème. Tu sais quel ? Il suit le règlement à la lettre. Or, quelquefois, les règles sont faites non pas pour être transgressées, mais au moins un peu assouplies. Chacun doit pouvoir les interpréter à sa façon. Il m'a dit d'aller au village des hommes. Je vais au village des hommes. Parfait. Tu veux y aller ? C'est ton droit. Fais comme on te semble. Et je vais quand même t'accorder une faveur. Je vais t'y conduire. Allons-y. Il se fait tard. Passez de votre esprit tous vos soucis. Il en faut un peu pour être heureux. Qu'est-ce que c'est? C'est une chanson, la belle vie. C'est quoi une chanson? Tu n'as jamais entendu de chanson? Tout le monde a une chanson. Les loups ne chantent pas? Je ne sais pas. Oh, mais nous récitons la loi de la jungle. Voici la loi de la jungle. Aussi vieille que le ciel, aussi sincère, le loup qui la respecte devient prospère, mais le loup qui l'enfreint devient poussière. Petit. C'est quoi de la propagande ? Ah, on n'est plus très loin. C'est ça qu'on appelle le village des hommes ? Ouais, on reconnaît à la fleur rouge. Ils l'aiment bien, la fleur rouge. Vu d'ici, la fleur rouge, c'est pas si mal. Ouais, mais quand elle s'échappe, elle détruit tout ce qu'elle touche. Ne joue jamais avec, tu as compris? Oui, d'accord. Parfait. Tu crois que je viens de là-bas? C'est possible, je sais pas, ça te semble familier. J'ai du mal à me souvenir, je me rappelle seulement de ma vie avec les loups. Pourquoi est-ce que tu veux y aller? Bagheera dit qu'il me faut un peuple. Ah, Bagheera a dit. Alors si Bagheera a dit... Hé, hey, c'est mon ami, d'accord? Et je ne sais même pas où il est. Quand je pense que je vais quitter la jungle pour toujours. Je peux te dire quelque chose. Ce que tu as fait aujourd'hui, je n'avais jamais rien vu de tel. Ce miel, j'en rêvais depuis des années. Mais j'ai usé de mes astuces. Des astuces? Tu sais... Les choses que j'ai fabriquées, un loup ne ferait jamais ça. Mais on s'en moque, tant pis pour les loups, c'est à la manière Mowgli, à la manière Balou. C'est à notre manière, c'est notre façon de faire. Quand j'imagine tous les exploits que tu pourrais accomplir avec quelqu'un comme moi à tes côtés, tu dis que tu veux aller au village des hommes, mais tu peux très bien être un homme en restant ici. Bon, écoute, tu sais où est leur village maintenant, tu peux décider d'y aller quand tu veux. Personnellement, j'apprécierais comme une faveur personnelle, hein, que tu me ferais à moi en personne, que l'on travaille ensemble, tous les deux, avec des astuces. Je pense qu'il serait très intéressant de voir quelle quantité de miel on pourrait récolter avant l'hiver. Et tout ce que je pourrais faire pour faciliter tes ruses et tes astuces, je le ferais. Et s'il s'avère que tu ne t'amuses pas autant que prévu, je t'accompagnerai moi-même jusqu'au village des hommes. Marché conclu. Jusqu'à l'entrée d'hiver. Jusqu'à l'entrée d'hiver. Savez-vous comment la femelle coucou assure sa survie? En profitant de l'instinct maternel d'une autre. Elle est trop vieille pour élever elle-même sa progéniture. Elle glisse ses œufs dans le nid d'autres oiseaux plus simplets. Lorsqu'ils éclosent, la femelle oiseau est tupée. Elle les nourrit, les dorlote. Et savez-vous ce qu'il advient de ses propres petits? Ils meurent de faim, ils périssent par négligence. Tout cela parce que leur mère a aimé un petit qui n'était pas le sien. Venez, il est temps de dormir. Je crois.
crois qu'il m'aime bien. Pourquoi fais-tu cela? Il est parti. N'est-ce pas ce que tu voulais? Je le veux, moi. Lorsqu'il apprendra ce qui s'est passé ici, il en reviendra. Et je serai là pour l'accueillir. Écoutez les conseils d'Akela. Il n'y a pas de place dans la jungle pour ce genre d'astuces. Si tu y tiens tant, tu feras ça au village des hommes. Mais j'aide Balou à se préparer pour son hibernation. Les ours n'hibernent pas dans la jungle. Qu'est-ce que tu lui apprends? Bon, c'est pas une vraie hibernation, mais je fais des siestes. Beaucoup de siestes. Écoute-moi bien, ours perfide. S'il ignore tout de ton petit jeu, moi pas. Nous partons sur le champ. Mais moi, je n'ai pas envie de partir. Tu n'as pas le choix. Pourquoi ne pas prendre le temps de s'asseoir? Il est tard, trop tard pour voyager, on pourrait se partager un petit peu de miel. Je ne mange pas de miel. C'est pas grave, c'est moi qui le mangerai. Passons la erreur.
comprends ça? Certainement pas. Jamais je ne lui apprendrai à plaisanter avec les éléphants. Il faut l'accepter tel qu'il est. Tu ne comprends pas. Le petit est en danger. Oui, il m'a expliqué qu'il était pourchassé par un tigre. Pas n'importe quel tigre. Shere Khan. C'est Shere Khan qu'il pourchasse. Mais si tu le renvoies au village des hommes, ils vont nous le gâcher. Ils vont faire de lui un homme. Il faut le renvoyer dans le clan des loups. Quel est leur chef? Akela, il le protégera. Akela est mort. Quoi? Shere Khan est tué. Il ne reculera devant rien tant qu'il n'aura pas ce petit. Devant rien. Si nous voulons qu'il reste en vie, il doit retourner chez ses semblables. S'il te plaît, Balou, il n'écoute plus que toi. Ce que tu viens de faire. Bagheera n'est pas de cet avis. Ah, te trompe-toi, il lui parlait, il a été très impressionné. Impressionné? Oui, tout comme moi d'ailleurs. C'était la première fois que je voyais quelqu'un approcher un éléphant d'aussi près. Alors écoute, il y a une chose dont il faut que je te parle. De quoi tu veux me parler? Eh bien tu vois, j'ai bien réfléchi. Maintenant que tu as enfin retrouvé ton ami, je pense que le moment est venu pour vous deux de reprendre votre chemin. On avait dit jusqu'à l'entrée de l'hiver, il est temps pour toi de t'en aller. Mais je veux rester ici avec toi. Toi et moi, on est des amis. Hein? Ah non, pas du tout, on n'a jamais été amis. Enfin, en tout cas, je t'ai jamais considéré, moi, comme un ami. Tu m'as aidé à trouver du miel, c'est vrai, mais je n'ai plus besoin de toi, alors... Ah, mais c'est pas possible, quelle langue il faut que je te le dise? Je t'ai assez vu, je veux que tu me fiches la paix. Voilà, c'est fait. Et crois-moi, ça n'a pas été facile. Attends, laisse-moi. Fiche-moi la paix. Viens donc, Bobby!
Attends là, je m'en occupe. Donc ça, hein, non. Viens, on y va. D'accord. Sur les terres de Sionine. Certains l'appellent comment déjà? Papaya? Papaoué? Moi je dis papaye. Ça rappelle le bruit qu'elle fait. Allez. C'est bon. Sais-tu qui je suis? Non. Je suis le roi. Des Bandar Log. Appelle-moi Louis. Bravo, mon vieux. Il doit être à l'intérieur. Suis-moi. Non, non. On a retrouvé la terre ferme. C'est moi qui commande. Et j'ai un plan. Et toi, tu es un petit homme qui veut vivre dans la jungle. Oui, comment vous savez ça? Petit, j'ai des oreilles. Mes oreilles ont des oreilles. Tu veux vivre ici? Il te faut un peuple pour être en sécurité. Je suis le seul qui puisse te protéger et ça ne sera pas gratuit. Mais je n'ai rien à vous donner, rien du tout. Si, tu as quelque chose. Quoi? Regarde autour de toi, petit homme. Je ne manque de rien. J'ai de la nourriture en abondance, un trésor immense. Je commande de vastes légions. Mais il y a une chose que je ne possède pas, et c'est la chose que toi, tu pourrais m'apporter. Je parle de la fleur rouge. Mais j'en ai pas. Tu es un petit homme, n'est-ce pas? C'est ce qui fait de toi un homme. Tu peux convoquer la fleur rouge et la contrôler. On m'a appris qu'il faut éviter de s'approcher de la fleur rouge. Tu sais pourquoi on dit ça? Parce que celui qui la possède s'élève au sommet de la chaîne alimentaire. Rien dans cette jungle ne peut rivaliser avec la fleur rouge.
s'il vous plaît. Je veux m'en aller, c'est tout. Attention, toi, ne crois pas que je sois... Si je marchande avec vous, c'est que je désire le moyen d'être un prince. Dis-moi le secret pour être un homme vraiment mystérieux. Pour faire éclore la grande fleur rouge, je serai merveilleux. Oh, oubliez-vous, je voudrais marcher comme vous. Et parler comme vous, faire comme vous. Un singe comme moi, ouais, je crois. Être parfois bien plus humain que vous. Vous allez trouver cela inouï, car beau gigante architecte comme lui puisse même rêver de ressembler à ce drôle de petit homme. Mais ensemble, nous serons plus forts à nous les jungler ces trésors. Ce que je vous avais fait pour. Je rêve de cette flamme, je m'enflamme tout comme vous. Ce serait magnifique pour un roi, un gigante architecte comme moi. De faire comme vous, de vivre comme vous. C'est tout ce qu'il me manque. Pour atteindre le pouvoir suprême, va et rapporte-moi la fleur rouge. Et nous régnerons sur la jungle. Je te protégerai. Tu n'auras plus jamais besoin de rien. Mais c'est interdit. Interdit? Par qui? Par quoi? La loi l'interdit. Oh, mais... Excusez-moi. Qui peut m'aider? Excusez-moi, je suis bien dans le temple des singes. Oh non, je dois arriver. Serait-ce le roi Louis? C'est fascinant. La légende ne vous rend pas justice, monsieur. Vous êtes réellement énorme. Dans le bon sens du terme. Sans mentir, si votre flair se rapporte à votre chair qui s'étale sur ce trône antique, vous êtes le roi du monde. Attrapez-le. Attendez, vous pouvez arrêter de m'aider. J'ai escaladé les montagnes, promenez-vous pour un temps du vertige. Ça, rien que pour avoir l'honneur de vous rencontrer. Pour moi, c'est un rêve qui se réalise. Oh. Jetez-le du haut de la falaise. Attendez. Je comprends tout à fait. Après tout, je me suis invité dans votre temple. J'arrive sans invitation. C'était extrêmement présomptueux de ma part. Mais je ne repartirai pas sans vous dire. Tellement de près. Personne ne sait. Personne ne vous a jamais vu d'aussi près. Et ça, je crois que c'est pourquoi. C'est à cause de l'odeur. Parce que l'odeur ici, c'est violent. Mais le plus impressionnant, monsieur, c'est que vous n'êtes pas simplement beau. En plus, vous avez un cerveau. Oh, et puis surtout, là, vous faites avec votre pouce. Allez, vous montrez-moi. Comment faites-vous, là? Moi, je suis incapable. Je peux seulement gratter, frotter, attraper un poisson. Mais j'ai bon espoir. Je ne sais pas si ça va vous plaire, mais j'ai bon espoir. Même si c'est le cas, mais j'ai bon espoir qu'un jour, il nous soit permis d'être un bandarlogue comme vous. Oh oui, je veux être comme vous. Vous êtes un modèle pour moi depuis toujours. Personne ne... Je pourrais la sortir, merci. Au revoir. Thank you.
montre-toi raisonnable.
comme un loup. Tu n'es pas un loup. Bats-toi comme un homme. Allez, va! Ok. Nous l'empêcherons de te suivre. Plus longtemps que Aquila.
t'es bien battu, vieux frère. Tu t'es bien battu. Creusaient des sillons. Des rivières coulaient. Je voudrais devenir un homme, ce serait merveilleux.
vivre pareil aux autres hommes, loin des singes ennuyeux. Oh, oubliez-vous, je voudrais marcher comme vous, et parler comme vous, faire comme vous. Un singe comme moi, ouais, je crois, être parfois bien plus humain que vous. Attention, toi, ne crois pas que je sois dupe, je marchande avec vous. C'est que je désire le moyen d'être un homme, un point, c'est tout. Dis-moi le secret pour être un homme, est-ce vraiment si mystérieux? Pour me faire éclore, la grande fleur rouge serait merveilleux. Oh, oubliez-vous, je voudrais marcher comme vous. Et parle comme vous, faire comme vous, tout. Car je l'avoue, quelqu'un comme moi, c'est vrai, je crois, peut devenir comme vous. Oh, Mother Nature's recipe.
that brings the bare necessities of life. Wherever I wander, wherever I roam, I couldn't be fonder of my big home. The bees are buzzing in a tree to make some honey just for me. When you look under the rocks and plants, take a glance at them fancy ants. Maybe try them. The bare necessities of life will come to you. Look for the best. Forget about your worries and your strife. I mean the bare necessities. That's why a man can rest at ease with just the bare necessities of life. So just relax. It's my backyard. If you act like that, you're working too hard. Don't spend your time just looking around for something you won't think can't be found. You find I can just live without it. Go along not thinking about it. I tell you something true. The bare necessities.